Bonjour, c'est Raquel Becerril-Ortega. Je suis la responsable universitaire du master en métier de la formation à distance et je suis maître de conférences en sciences et éducation au laboratoire Trigon Sirel. J'aimerais commencer par vous féliciter, vous donner la bienvenue au sein de ce master qui va beaucoup vous occuper tout au long de cette année. Je vais commencer par vous donner quelques repères institutionnels. Vous êtes désormais étudiant et au sein d'un institut de formation d'adultes qui est attaché à l'Université de Lille. C'est pour ça que vous allez entendre parler du QEP, qui est l'institut, mais aussi de l'Université de Lille, qui est votre institution. Et je vais commencer ensuite pour vous parler un peu de l'équipe pédagogique. Vous comptez avec une responsable pédagogique, qui est Nathalie Senam, qui est chargée de toutes les questions d'ordre pédagogique, de la gestion de la plateforme, ainsi que de la gestion et le suivi des mémoires. Vous comptez aussi avec un responsable administratif, qui est Guy Bataille, qui est responsable et qui est chargé de toutes les questions relatives à votre inscription. Pour vous aider aussi dans l'inscription, mais tout au long de l'année avec les notes, les cartes d'étudiants, etc., nous comptons avec une secrétaire pédagogique qui est Christine Delannoy. Ensuite, vous avez toute l'équipe d'enseignants qui sont les enseignants issus un peu du milieu professionnel, donc vont vous donner des enseignements relatifs au milieu professionnel. Et vous avez aussi des enseignants-chercheurs qui vont vous donner des enseignements qui sont issus de la recherche. Et enfin, vous comptez avec moi, je suis la responsable universitaire, je suis chargée du bon fonctionnement du master. Et enfin, je vais vous raconter un peu comment il est organisé le master. Le master, il est organisé avec deux semestres. Donc vous avez un semestre qui commence maintenant et qui finit en février, et vous avez un deuxième semestre de février au juin. Vous avez un projet de terrain et un mémoire qui est lié à ces projets de terrain. Vous avez des cours théoriques qui vous permettent de faire une lecture sur ces terrains et que vous allez aussi investir dans les mémoires. Voilà un peu tout le travail qui vous est demandé très synthétique, de manière très synthétique dans ce master. Mais je vous souhaite une bonne rentrée et à très bientôt sur la plateforme. Au revoir.